Bonjour, bienvenue à toutes et à tous pour ce match. C'est, figurez-vous, Pierre Ménès qui est avec moi pour commenter ce match. Et Pierre Ménès est avec vous, Hervé Matou aussi. Bonjour à tous. La composition de l'équipe locale qui s'affiche. Le schéma tactique retenu par l'entraîneur aujourd'hui. Un 4-5-1, semble-t-il. L'idée est surtout d'empêcher l'adversaire de passer le milieu de terrain. La composition de l'équipe visiteuse à présent. Côté tactique, l'équipe va évoluer en 4-5. La grosse occasion pour prendre l'avantage. Oh, il y est ! Oh, le premier but dans cette rencontre ! Une rencontre qui démarre à fond ! C'est un vrai coup dur pour l'autre équipe. En gros, c'est comme si elle commençait son match avec un but de retard. Le gardien qui s'incline. Oui, il a su se rendre disponible sur ce centre. Après, il a fait la différence avec sa tête. C'est sur ce ralenti. C'est un autre angle qui nous est proposé. Ça va être intéressant. C'est donc l'ouverture du score, 1-0. Javi Fuego. Le ballon va être en touche. Yoann Gourcuff. Ils font tourner en attendant une brèche dans cette défense. Allez, il faut centrer. Loïs Diony. Ouais, il lui remet. Oh, il y a des solutions, il y a danger. Ouais, bien joué la remise. Ouais, la frappe. Bon, attention, c'est pas fini. Un défenseur qui ne prend pas de risque, qui dégage ce ballon. Yoann Gourcuff. Il va s'appliquer sur ce centre. Ce sera un corner, hein, concédé par la défense finalement. Le but qui permet à cette équipe de faire la différence pour le moment. On le revoit. Tête qui fuse à droite et qui prend le gardien de court. Et le tireur qui a visé la zone du point de pénalty. Le gardien qui préfère écarter du point sur ce corner. Yoann Gourcuff. Loïs Diony. Ouais, c'est bien taclé. Il faut récupérer ce ballon maintenant. Yoann Gourcuff. Choupo-Moting. Allez, Christian Salnes. La petite passe en cloche. Jérémia Saint-Just. Carles Alenia. Ce sera un 6 mètres. Javi Fuego, un ballon récupéré par l'adversaire. Choupo-Moting. Lucas Ocampos. Ouais, on passe par les côtés. Allez, danger qui s'éloigne, c'était pourtant bien donné. Jérémia Saint-Just. Il a un petit peu d'espace, il peut centrer.
La passe est interceptée. Carles Alenia. Jérémia Saint-Just. Berger Solberg-Melling. Ouais, il a pris l'information, il a vu qu'il avait du soutien. Touche dans le camp adverse. Un bon ballon qui va peut-être trouver preneur. Ah, ils étaient sous pression, il dégage. Allez, le centre maintenant. Carles Alenia. Ils obtiennent finalement le corner. Allez, le corner est tiré au cœur de la surface. Ouais, bien donné ce ballon, mais le danger est écarté. Allez, il faudrait qu'il centre très vite. Il centre vers ses partenaires. Ouais, sans prendre de risque, il a dégagé ce ballon très loin. Allez, Christian Salnes. Choupo-Moting. Le gardien l'a sorti au point. Ce ballon qui est dégagé. Le ballon qui sort. Touche. Berger Solberg-Melling. Carles Alenia. Le centre, maintenant il est contré. Ouais, ça part très loin avec ce dégagement. Il va pouvoir adresser un centre. Choupo-Moting. Allez, il va falloir s'appliquer sur ce corner. Le corner en direction du point de pénalty. Le ballon qui s'éloigne de la zone dangereuse. Allez, Christian Salnes. Allez, il faut centrer. C'est le moment. On va jouer 3 minutes de plus. Le centre à destination de ses partenaires. Et le but ! Le but qui permet à cette équipe de compter 2 buts d'avance désormais. Ah, c'est déjà plus confortable, mais c'est encore trop tôt pour s'endormir. Il faut surtout pas se relâcher maintenant. Ah, le ballon qui rentre. Pourtant, le gardien l'avait touché. Ah, dommage, il a réagi avec un dixième de seconde trop tard. Attendez qu'on revoie ce but d'un autre point de vue. Et les voilà donc avec une avance de 2 buts maintenant. Ivan Gourcuff. Oui, bien taclé, mais ce n'est pas fini. Et le break peut être fait à la pause. C'est la mi-temps à l'instant. Le score pour le moment 2-0. Quelle première période il vient de nous faire. Me dites pas que vous n'avez pas aimé, Pierre, parce que là, je ne vous crois pas. Même vous. Il a marqué 2. La seconde période qui reprend à l'instant. Loïs Diony. Ouais, il lui rend première intention. Le centre, il a vu ses coéquipiers. Ouais, c'était dangereux, mais la défense s'est dégagée au grand soulagement du gardien. Fouad Chafik. Ah, la bonne opportunité! Loïs Diony. Ouais, quelle reprise de la tête! Au timing parfait! Ah, très belle tête, hein. Magnifiquement placée. Ah, c'est un superbe but de la tête qu'on revoit sur ce ralenti. On vous laisse admirer le timing, la finition.
Ça va être un final passionnant. Hein. Ouais, il y aura encore pas mal de boulot, mais qui sait. Le but sous un autre angle. Il mène à la marque désormais 2 buts à 1. Jérémy à Saint-Just. Un vilain passe directement à l'adversaire. Oh, le tacle et le ballon qui n'est pour personne finalement. L'entraîneur de l'équipe visiteuse qui donne ses dernières consignes au joueur qui va faire son entrée. Une entrée imminente. On voit le quatrième arbitre qui se prépare à annoncer ce changement. Ils prennent leur temps, ils posent le jeu. Yann Gourcuff. Yann Gourcuff. Allez, un centre. Et le duel est gagné par le défenseur sur cette action. Et 30 minutes à jouer dans le temps réglementaire. Choupo-Moting. La passe est interceptée. Anthony Briançon. Oh oui, encore une bonne passe. Encore un bon ballon. Javi Frigo. Allez, dans le couloir. Un corner, ce ballon a été touché par le défenseur. Corner. Et les deux entraîneurs procèdent à des changements. Le corner, le ballon en pleine... Javi Fuego. Ouais, bon arrêt sur cette tête. Maxime Lestienne. Loïs Diony. Oui, il y avait un espace, il l'a vu. Oh, magnifique! On le croyait battu et il nous sort un arrêt exceptionnel. Oh ben c'est vraiment là que le mot « dernier rempart » prend toute sa signification. Allez, le corner est tiré au cœur de la surface. Les dangers qui s'éloignent, c'était pourtant bien donné. Ah non, ils rendent le ballon à l'adversaire, là. En remplacement du côté orléanais. Ah, l'entraîneur qui préfère revoir ses plans pour la suite du match. Il reste exactement 20 minutes à jouer. Javi Frigo, Maxime Lestienne. Yann Gourcuff. Allez, qui va reprendre ce ballon. Un changement tactique pour l'entraîneur qui veut voir de l'attaque. De l'attaque et encore de l'attaque. Il en a besoin. Les consignes de l'entraîneur sont claires. C'est tout pour l'attaque. Le centre vers ses coéquipiers. Oh, poteau! Oulala! Le dégagement pour éloigner le danger. Yann Gourcuff. C'était le ballon du chaos, mais le... Ouais, il a mal lu le jeu en déclenchant son appel. C'est un hors-jeu. Il a décidé de se donner les moyens d'égaliser. Hein. Javi Frigo, Anthony Briançon. Le centre, il a vu ses coéquipiers. Et le corner, il n'y avait pas beaucoup d'autres choix là.
Le cornet. Ah, Adebayor. Oh, le poteau. Il a préféré dégager ce ballon. Le remplaçant qui est prêt à faire son entrée sur le terrain, devant son public. Oui, ça devrait se faire au prochain arrêt de jeu. Enfin, si le quatrième arbitre ne se plante pas avec ses panneaux. Allez, à deux. Il y a du soutien derrière lui. On est dans une phase de conservation de balle en attendant l'ouverture. Allez, il y a du monde pour reprendre. Ouais, c'était dangereux. Mais la défense s'est dégagée au grand soulagement du gardien. Jérémia Saint-Just. Ouais, ils monopolisent le ballon tranquillement. Ils restent dans leur camp. Et comme on ne vient pas les chercher, on ne vient pas les attaquer, ça peut durer. Les supporters qui poussent pour voir leur équipe. Oh, que c'est bien donné, ça. Oh oui, le but! Et ce but qui leur donne un petit peu plus de marge au tableau d'affichage. Un buteur qui a décidé d'y aller tout seul. Il était parfaitement lancé, après il n'y a plus qu'à battre le gardien. Le réalisateur qui nous remontre ce but. Et le score qui est maintenant de 3 buts à 1. Emmanuel Adebayor. Lucas Ocampos. Ouais, bien déposé hein, ce centre, mais personne pour le reprendre. Voilà, c'est terminé à l'instant. L'arbitre qui vient de siffler la fin.